Je vous retrouve dans cette position tout à fait normale pour un nouveau vlog. On est au lendemain du jour où j'ai eu ma deuxième dose de vaccin. Le jour même, ça a été. J'étais fatiguée, mais bon, rien. Pendant la nuit, j'ai eu très froid tout d'un coup. Ça m'a réveillée et j'ai dû mettre mon plaid. En vrai, j'ai pas eu mal, j'ai pas souffert, j'ai juste eu froid. Et ensuite, aujourd'hui, ça a été un peu compliqué au boulot. Sachant que j'ai un métier physique. J'étais vachement fatiguée, surtout au niveau musculaire. Et les trois dernières heures, elles étaient compliquées. Je suis arrivée chez moi vers 6h et je n'ai absolument pas bougé de mon lit. J'ai mis des vlogs de mes copines. J'ai regardé les vlogs, parfois en fermant les yeux, parfois les yeux ouverts. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas commencer un nouveau vlog aussi de mon côté. Je suis une personne un peu étrange, je le commence de manière très spontanée, tout de suite, allongée sur mon lit comme une merde. On est le combien aujourd'hui? On est le 25 août, je vous ai tourné une vidéo ce week-end. Et au moment où vous aurez ce vlog, est-ce que ce sera en septembre? Je pense que oui quand même. En septembre, vous aurez des vidéos les dimanches et les mercredis, parce que j'en ai tourné pas mal et que j'ai pas envie de les étaler sur 2 mois, après ça fait trop loin. Et puis voilà, donc j'espère que vous serez au rendez-vous et surtout que ça vous plaira. Je sais pas de quoi sera constitué ce vlog, parce que clairement ma vie n'est pas passionnante, surtout que comme j'ai pas encore le pass sanitaire, je ne peux pas sortir concrètement. Enfin si, je peux aller dehors, mais voilà quoi, j'ai des activités un peu limitées pour l'instant. Du coup, je reste juste chez moi, je chill et puis je lis un peu. Je pense que ce sera une espèce de reading vlog où je vous parle de mes lectures. Peut-être que je vous présenterai ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, pardon. Je parle un peu du nez vu que je suis pas dans une bonne position. Donc là, j'ai même pas la force de me faire à manger. J'ai mangé du pain et du fromage et je pense que je vais juste me mettre dans mon lit et dormir. Avant, je vais vous parler de lectures quand même, dans cette position, parce qu'on n'a aucune gêne ici. La première, je vous mettrai une image parce que je peux pas vous la montrer. Il s'agit de Magic, tome 1. Je sais plus si c'est que Magic le titre ou pas. En tout cas, c'est chez Dargo et c'est vraiment trop mignon. C'est une lecture parfaite pour l'automne qui arrive, puisqu'on y suit une petite fille qui est abandonnée par une sorcière quand elle est bébé, pour des raisons précises. J'espère que le bruit c'est pas trop gênant parce que c'est infernal. Et cette petite fille va se faire élever dans un couvent de bonnes sœurs. Sauf qu'elle a une particularité déjà, c'est qu'elle a les cheveux violets. Et ce qui laisse entendre qu'elle a des pouvoirs magiques. Et ça, c'est mal vu dans la société. C'est vu comme un truc un peu démoniaque. Sauf que cette petite fille, eh bien, elle est assez intrépide, assez chippie. Voilà la vie au couvent. Elle en a un petit peu marre, elle n'aime pas trop suivre les règles à la lettre et être sage. Et à un moment, les bonnes sœurs vont les confier au bon soin d'un chapelier qui va peut-être l'initier à la magie et à ses pouvoirs de sorcière qu'elle ne fait que découvrir. Elle est accompagnée dans son aventure d'un chat doté de la parole. Je ne vous en dirai pas trop sur lui, je vous laisserai découvrir. Et vraiment, c'est hyper mignon. Au niveau graphique, c'est très particulier. Ça fait limite un peu jeu vidéo, presque Minecraft, mais pas trop non plus. Et ça a son charme, surtout au niveau des couleurs, je trouve ça vraiment joli. Et le style est vraiment, ça fonctionne bien avec le dynamisme de l'histoire en fait. Contrairement à ce que pourrait laisser penser peut-être le dessin, c'est pas si gnangnang que ça en a l'air, les personnages sont quand même bien construits, un petit peu ambivalents, et franchement c'est super plaisant la manière dont le récit est raconté. Et franchement j'ai beaucoup aimé, donc si vous voulez pour le Pumpkin Autumn Challenge, ça peut être une idée. Une petite lecture pour le menu enchanteur ou douceur de vivre, voilà, un petit truc mignon à vous caser, c'est vraiment idéal. Et sinon, en ce moment, je suis en pleine relecture de Paradise Kiss, et oui, je suis cachée. C'est un manga, un gros manga, vu que c'est l'intégrale des 5 tomes, de Ayazawa. Celle à qui vous devez notamment Nana et Je ne suis pas un ange. C'est une de ses séries les plus connues, donc il y a des chances que vous la connaissiez, mais que la connaissiez, je ne sais plus parler. Et ça doit être la 3e ou 4e fois que je me relis Paradise Kiss parce que ça fait partie changement de position. Et juste avant ça, j'ai eu la chance que mon amie Koaline me prête les Gokinjo, toujours de Ayazawa. C'est une série dont j'avais lu seulement le tome 1 quand j'étais au lycée. Mais j'avais jamais continué parce que j'avais trouvé ça sympathique, mais à côté de Nana et Paradise Kiss, quoi, c'est quand même vachement en dessous pour moi. Et finalement, je me suis fait les 7 tomes, mais en fait, l'histoire gagne en profondeur et en maturité, et aussi en complexité,
à chaque tome. Et franchement, c'est super plaisant finalement. Je regrette pas du tout d'avoir redonné sa chance à cette série. De toute façon, je me doutais que ça me plairait quand même parce que c'est Ayazawa et que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais elle a l'art vraiment d'avoir des personnages aussi complexes que touchants, que tellement bien construits, tellement humains en fait. C'est juste incroyable. J'ai jamais retrouvé autant d'affinités en termes de personnages et d'attachement en fait que dans les mangas, autres que dans les mangas de Ayazawa, pour moi elle est imbattable. Pour vous pitcher un peu Gokinjo, vous suivez principalement Mikako, qui est une jeune fille de 17 ans, qui étudie à l'Institut Yazart, comme les élèves l'appellent. C'est une école d'art dans laquelle on peut étudier diverses matières artistiques, pardon. Et elle notamment, elle étudie le stylisme, puisqu'elle est passionnée de mode. D'ailleurs, elle coud ses propres vêtements et elle souhaite lancer et agrandir plus tard sa marque qui s'appelle Happy Berry. On suit donc sa petite vie et son petit train-train dans cette école, même si on n'y est pas tant que ça finalement dans l'école, puisqu'on suit surtout son quotidien, voilà, sa vie perso en fait, notamment sa relation avec Tsutomu, qui est à la fois son ami d'enfance depuis toujours et aussi son voisin de palier. Et ensemble, on va voir leur relation s'étoffer, grandir, s'affiner au fil de l'histoire. Et bien sûr, comme toujours, vous avez quand même des personnages secondaires qui sont agrippés à tout ce petit monde. Et ils sont tous très plaisants, ils ont tous une personnalité. Vraiment, il n'y a pas un personnage qui est là juste pour faire de la figuration. Moi, notamment, mon petit coup de cœur, c'est Lisa. Mais je pense que, vu son look, vous n'êtes pas surpris. Mais voilà, c'est la force un petit peu mature et en même temps sereine, je dirais, de cette histoire. Elle est toujours là pour soutenir son amie Mikako. Mikako qui est d'ailleurs une héroïne mais tellement touchante, elle est trop mignonne, elle est naïve mais pas d'une manière énervante, vraiment d'une manière très touchante et très choupette. Et en même temps elle est rigolote, voilà, elle a aussi ses complexités, ses problèmes et c'est pas juste un cliché ambulant. Et c'est ce que j'aime avec les mangas de Ayazawa. Et celui-là, ça a été très réussi. Donc comme toujours, on a des petites parcelles d'humour par-ci par-là qui sont très très plaisantes et très efficaces. Et une des particularités aussi de Ayazawa que vous retrouvez dans toutes ses séries, c'est qu'elle brise le quatrième mur, je crois qu'on dit ça comme ça, c'est-à-dire que parfois les personnages sont conscients qu'ils sont dans un manga et ils vous adressent des petites phrases, genre à l'avant-dernier chapitre de Gokinjo, c'est pas un spoil, rassurez-vous. Au tout début, ils disent « ça y est, on arrive au chapitre final, oh là là, c'est bientôt la fin » et il y a un des personnages secondaires qui s'appelle Yusuke, je crois, qui dit « Oh, j'espère que je serai le personnage principal de la prochaine histoire. » Je vous ai posé sur Paradise Kiss, comme ça ce sera plus agréable pour vous. Donc voilà, Gokinjo, franchement, c'est hyper sympathique. Et bah je prie pour qu'un jour Delcourt réimprime les intégrales. Parce que, bah comme vous le verrez dans une de mes vidéos, je pense que quand j'aurai sorti ce vlog, vous l'aurez déjà vu, c'est celle sur l'histoire du shoujo. Tellement de shoujo cultes ne sont plus imprimés, c'est limite indécent en fait. Et tous les titres de Ayazawa presque en font partie. Les seuls qui sont encore disponibles, c'est Nana et Paradise Kiss. Alors que tous ces autres mangas, elle a fait que 6-7 séries je crois, c'est pas énorme, c'est tous des chefs-d'œuvre en fait. Je dis ça, mais j'ai jamais lu son premier manga Marine Blue et Last Quarter, puisque ils se vendent à des prix faramineux sur internet. Et d'ailleurs pour Marine Blue, il est même pas trouvable, j'ai beau chercher, je ne le trouve pas. Vraiment, j'espère qu'il est rien après moi. C'est vraiment un de mes vœux les plus chers, même si mon vœu numéro 1, ça reste d'avoir une fin à Nana. Un jour, c'est pas sa faute, hein, je la blâme pas, hein, elle a eu des problèmes, cancer du canal carpien, la maladie des auteurs, et certainement d'autres choses derrière, mais bon, voilà quoi. Elle s'arrête quand même au pire, de chez pire, des moments dans Nana. Et ça fait un peu chier, je vous le cache pas, d'en être là depuis 10 ans, on est en mode comment j'avance en fait dans ma vie, comment je passe ce cap et cette douleur si tu me donnes pas la suite. Je vous ai toujours pas parlé de Paradise Kiss, du coup faut savoir que, je vais pas trop vous en dire, mais c'est un peu une suite de Gokinjo, plus ou moins. Et au niveau de l'histoire, on va suivre Yukari, qui est une jeune lycéenne qui prépare son concours d'entrée pour la fac. Elle est issue d'une famille et d'un milieu très vraiment sérieux, hein. Vous savez, ce côté vraiment au Japon, que les études, c'est super super important, selon la fac où tu vas, c'est comme ça qu'on te va te juger dans la société. Sa mère l'a toujours éduquée ainsi, et donc bah, elle passe ses concours, même si honnêtement, bah, elle s'en fout un petit peu. Du moins, elle sait pas trop ce qu'elle veut faire après, en fait, elle avance un peu sans but, comme ça. Et un jour dans la rue, elle se fait aborder par des personnages assez bizarres.
J'avoue qu'il aborde de manière un petit peu. Ça pourrait faire un peu peur hein, quand même. Mais voilà, ces personnages, en fait, ils lui demandent si elle veut pas être le mannequin pour leur défilé de fin d'année. Puisqu'ils sont en effet en dernière année à l'école, Yazar, et oui, que vous retrouvez dans Gokinjo. Il se trouve que Yukari est très jolie et elle a vraiment, niveau mensuration, on va dire, c'est vraiment pile ce qu'ils recherchaient niveau physique par rapport à l'image de leur marque, etc. Donc au début, Yukari est très, j'ai envie de dire chiante. Elle est pas très sympa avec eux, elle les juge. Et finalement, petit à petit, elle recroise la route de ces personnages qui ne comptent pas en démordre, du moins pendant un temps, bien sûr, après ils vont pas non plus la harceler. Et petit à petit, elle apprend tous à les connaître chacun et elle se rend compte que leur truc, c'est vraiment du sérieux, c'est leur avenir, ils prennent vraiment ça à cœur et peut-être finir par accepter de devenir leur mannequin. C'est un faux suspense que je vous fais, j'avoue, mais je vous rassure, ce n'est que le début de l'histoire. Et donc, pendant ces 5 tomes, vous allez suivre eh ben, cette bande de personnages qui va bah, préparer ce fameux défilé de fin d'année. Et vous allez voir les relations de Yukari qui vont évoluer avec les différents personnages au fil de l'histoire. Comme toujours avec Yazawa, je vais me répéter, mais c'est la vie, c'est profond, c'est humain, c'est complexe, c'est tellement réaliste et en même temps, c'est tellement attachant, tellement. Tellement beau, mais tellement drôle aussi, vraiment, ces mangas. Il y a toujours des moments où je hurle vraiment de rire. Et voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler, parce que je pense que vous avez capté que Ayazawa, c'était vraiment ma number one forever, quoi. Je peux pas expliquer. La relation que j'ai avec ces œuvres est tellement puissante, vraiment, pour moi, ces personnages, mais existent. Dans ma tête, ils existent. Ce sont presque des gens que je connais, des amis fictifs qui sont très ancrés, en fait. J'adore, c'est juste incroyable. Si vous l'avez jamais lu, je vous conseille, mais tellement. Comme il ne reste plus que Nana et Paradise Kiss sur le marché du neuf, je vous conseille bah, de lire Paradise Kiss en premier, notamment parce que ça reste quand même une œuvre assez accessible. Et puis l'intégrale en des 5 tomes, qui est le seul disponible, vous ne pouvez plus les acheter neufs séparément, est à 18 euros. Donc c'est pas cher, je trouve, carrément pas cher même. Pour ce qui est des nanas, bien sûr, je vous les recommande à 100%, mais. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de fin, que vous allez être très frustré, en arrivant au tome 21. Mais ça vaut le coup. C'est, je veux dire, je préfère être comme je suis là, genre frustrée et en PLS toute ma vie, que ne jamais avoir lu une nana. C'est tellement la quintessence pour moi, au point que je compte me faire un tatouage en lien avec ce manga, que voilà quoi, ça vaut le coup que vous les lisiez quand même. Après, il y a 21 tomes, mais comme ils sont disponibles à la fois neufs, mais aussi d'occasion pour pas cher, vous pourrez, je pense, facilement vous faire votre collection. Là, je vais m'arrêter là, parce que sinon, ce vlog, il va pas être super varié, parce que je suis déjà à 20 minutes de tournage, bien sûr. Je suis étonnée que vous me voyez aussi bien, parce qu'il fait super noir dans ma chambre. Je sais pas si c'est le réglage de mon appareil photo, mais là, on dirait qu'il fait vachement jour, alors que non, il fait vachement nuit. Bref, je vais vous laisser là, je vais m'habiller, je pense. Peut-être que je vais me regarder un petit My Hero Academia. Parce que oui, j'ai commencé l'anime de My Hero Academia. Je suis désolée, je parle du nez, mais je commence. Je pense que j'ai vraiment un problème au sinus, en fait, parce que quand je parle longtemps, ça me prend au nez, comme si j'étais enrhumée. Avant, ça me le faisait pas. Bref, j'ai commencé My Hero Academia un peu sur un coup de tête, parce que j'avais envie de tester bah, cette œuvre shonen qui est devenue aussi culte que One Piece et Naruto. De nos jours. D'habitude, je préfère lire les mangas en papier, mais là, va savoir pourquoi. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu d'anime, ça fait quand même depuis 2016 que j'en ai pas regardé, à part Yuri on Ice. Je pense qu'en 2 ou 3 jours, je suis à la moitié de la saison 2. Et vraiment, je suis à fond dedans, j'adore. Les personnages principaux sont tous tellement attachants, j'ai l'impression que même les secondaires, mais je vous jure, ça me choque à quel point ils sont bien travaillés, c'est fou. Chaque détail est soigné, l'univers en même temps est soigné, c'est pas kitsch pour un sou, tout est bien travaillé. Bref, je vous laisse vraiment là parce que là ça craint vraiment. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et puis je vous retrouve je sais pas quand pour la suite de ce vlog. Et moi je vais aller me moucher parce que vraiment, j'en peux plus. Ouh, petite sortie en roulade. Oui. On est le lendemain du jour où j'ai précédemment filmé. Il est 22 h et quelques parce que je suis rentrée tard du travail aujourd'hui. J'ai loupé la dernière.
Je viens de regarder la vidéo de Lily, d'Au pays de Lily, qui est une chaîne booktube que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait, voilà, c'est vraiment chouette. Elle a posté une vidéo de sa palle du Pumpkin Autumn Challenge et ça m'a donné envie de vous inviter cordialement à constituer avec moi ce qui sera ma palle potentielle. Je dis palle potentielle parce que, comme vous le savez peut-être, je suis libraire spécialisée en BD manga. Donc il n'est clairement pas exclu que je rajoute ou modifie ma palle selon les sorties qui passeront sous mes yeux quand je serai à la librairie. Il y a certainement des choses qui me feront envie. Et pour ce qui est des romans, j'ai clairement une idée de trucs que j'aimerais bien faire sortir de ma palle, mais je vais peut-être aussi en racheter parce qu'après tout ce challenge dure 3 mois, donc là non plus voilà, on n'est pas à l'abri que je craque sur quelque chose. Enfin voilà, je suis quelqu'un d'imprévisible, ok. Là j'allais me lancer tranquillement avec le premier menu, automne frissonnant. Est horreur. J'ai un Stephen King, il est là. Mais je suis pas sûre que j'arriverai à lire. Clairement, je préfère pas trop y croire. Je vais quand même le mettre de côté. Mais au cas où, je sais ce que je mettrai dans cette catégorie que je lirai très certainement, c'est le tome 4 de la BD Rip, qui est un super polar dont vous avez parlé dans une ancienne vidéo. Pour la deuxième catégorie, sorcière, prophétie, tragédie, théâtre, je suis pas sûre d'avoir quelque chose. Je préfère rien choisir pour l'instant parce que je suis sûre qu'il va sortir un manga ou une BD qui aura un lien avec la magie ou les sorcières, c'est genre obligatoire, donc je préfère attendre ce moment-là. Pour le folklore de Chipenden, eh ben écoutez, j'ai envie de dire, regardez, ça va être archi facile. L'épouvanteur tome 1. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres avec le tome 2 et je me suis dit que bah, j'avais jamais lu cette série, c'était l'occasion. Et quand Guimauz a dit que ce titre faisait référence à cette saga, je me suis dit que c'était genre parfait. Alors une fois encore, c'est clairement pas sûr que je le lis. Oh, il fait moins de 300 pages. Il y a peut-être une chance que j'arrive à me le caler. Pour le menu douceur de vivre, en rapport avec Halloween ou l'automne, je sais ce que je vais caler. Je vais caler le tome 2 d'Eli et Gaston, qui est une saga qui se passe pendant des vacances d'automne. Donc c'est parfait. Et niveau dessin, c'est juste magnifique. Et j'avais adoré le premier tome. Donc je lis ça. Je vous en parle pas là en détail parce que je vous en reparlerai quand je ferai mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, parce que je pense que je le posterai. Ensuite, pour la catégorie et Gigi. Gigi, il est là, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas la ref, vous avez un indice en plus. Parcours initiatique, jeunesse, famille. Ah, je sais. Ah non, je vais le garder pour une autre catégorie. En fait, j'ai un bouquin qui pourrait aller dans cette catégorie et dans la catégorie d'après. Il suffit de rallumer la lumière. Je pense que je vais faire ça, même s'il n'est pas exclu que je me case aussi un manga. Selon ce qui sortira, on verra bien. Mais dans tous les cas, Anne de Redmond y passera. Et il va aussi bien dans la première catégorie, parce que c'est clairement un peu un parcours initiatique de la vie d'Anne, puisqu'on la suit tout le long de sa vie. Ça parle énormément de famille, évidemment c'est quelque chose de feel good, mais aussi de très émouvant, donc ça va très bien dans ces deux menus. Et pour J'ai un dragon, j'hésiterai pas à faire feu, anthropomorphisme illustré animaux. Alors ça me fait chier parce que j'ai un bouquin qui va très bien dans cette catégorie, mais c'est un polar. Et donc je trouve que c'est pas du tout dans la bonne ambiance pour ce menu là. Il s'agit du tome 2 de Black Sad, donc c'est ce fameux chat policier qui mène des enquêtes, voilà. Et j'ai lu le tome 1, c'est vraiment pas mal, il y a vraiment une super ambiance. Et donc voilà, puis si vous aimez les récits anthropomorphiques, Mawapi c'est un petit clin d'œil pour toi, c'est vraiment cool, vraiment vraiment cool. Donc je vais quand même le garder là, voilà. Et humour illustré, ben là je trouverai très facilement quelque chose à ma librairie parce que ben, des trucs illustrés, il y en a plein. C'est pour ça que je fais ma palle avec vous là maintenant, parce que si j'avais fait une vraie vidéo juste pour ma palle, ça aurait été chaotique. Je viens d'avoir une idée, si jamais je suis motivée, je reviens au menu 1 dans la catégorie sorcière. Est-ce qu'un sorcier ça peut marcher?
parce que magicien d'Oz. Ah mais oui, mais ça marche parce qu'il y a des sorcières dans cette histoire, notamment au moins une ou deux. C'est le très bel exemplaire de Benjamin Lacombe du coup et Sébastien Pérez que m'a offert ma Wapi durant notre challenge de l'amitié littéraire, qui va d'ailleurs aussi bien dans la catégorie du menu douceur de vivre, puisque c'est un album illustré. Et pour le coup, c'est vraiment un album illustré dans le sens où il y a des illustrations et que c'est le texte original avec des illustrations. Donc, ce serait vraiment une très bonne idée que je me le cale. En plus, il est pas très gros et ça fait tellement des années que je veux découvrir cette histoire. J'ai même pas vu le film. Le film, en fait, est introuvable sur Internet. J'ai réussi à l'acheter une fois en DVD. Je suis trop contente, mais je l'ai toujours pas regardé. Je reviens au menu enchanteur avec la lunette de pierre, cet extra. Je vous dis les noms des menus à l'arrache à chaque fois, mais si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce challenge, je vous renvoie à la chaîne du Terrier de Guimauze et à sa vidéo qui est consacrée. Et puis de toute façon, je vous mettrai visuellement, pour ceux qui ont la capacité de voir, les menus. J'ai rien sur les fées et le petit peuple en ce moment dans ma palais, me semble. J'ai un truc, si j'ai une histoire avec des fées, mais c'est un roman qui est assez gros, j'ai pas trop envie de le lire, je suis pas trop dans le mood. Même en nature writing, j'ai rien, ça m'étonne. Peut-être que je finirai par m'acheter... Non, ça ne va pas. C'est ballo parce que j'ai ce roman, mais je suis pas sûre qu'il y ait des fées ou du petit peuple dedans. Non, je pense pas, ça m'a l'air de la fantasy plutôt urbaine quand même, voire du fantastique. C'est le premier tome de Child of Magic, je trouvais tellement parfait pour la période automnale, mais là, j'ai déjà pas mal de romans dans ma palle. Je pense que je vais m'en passer et le garder pour plus tard, même si clairement il me tente beaucoup. Une fois encore, je suis sûre qu'il va y avoir une BD ou un manga qui va sortir ou que je trouverai qui ira dans cette thématique, non d'une écologie, anticipation, SF, post-apo. J'ai un truc pour SF et anticipation. Il s'agit de La nuit des temps de Barjavel, pardon. Mais je vous avoue que j'ai plus envie de lire ce livre dans... En fait, il m'inspire plus un mood hivernal que automnal. Donc je sais pas. Il y a très peu de chances que je sois tentée de lire cet automne, à mon avis. Ah, j'ai un livre de SF. Il s'agit de Seconde Humanité de Adrien Mangold. Je l'ai depuis le salon du livre de Montreuil 2019, je pense. Destin d'un chercheur, d'un soldat et d'une fillette qui pourrait marquer l'histoire quand d'une inattention naît une pandémie. Ah! Ah, il a été précurseur, Adrien Mangold, hein, parce que c'est sorti avant la pandémie du Covid. Convoitise une guerre de l'apocalypse. Ah pardon, j'ai mal lu. Quand d'une inattention naît une pandémie, d'une convoitise une guerre, de l'apocalypse une seconde humanité. Pour Princesse Princesse, je vais caser la BD que j'ai piqué au boulot aujourd'hui. Le Festival du Dragon T. J'ai pris celui-là parce qu'on l'a en double à la boutique, mais je vous avoue que ça me frustre de ne pas lire Le Cercle du Dragon T en premier, même si je sais bien qu'on n'est pas obligé de l'avoir lu avant, mais c'est psychologique, faut pas chercher avec moi. Dans tous les cas, ça se trouve, je vais même craquer avant le Pumpkin et lire celui-là avant le 1er septembre, je sais pas. Si celui-là me plaît, je lirai presque à la suite, je pense, Le Cercle du Dragon T. Donc bon. J'ai aussi un roman dans cette catégorie qui rentre bien. Fleur d'Oco, voilà, il est aussi dans la pile de la vidéo de Guimauze. Et clairement, moi, c'est plutôt... Ça m'inspire plutôt un mood estival, ce roman, pour le coup. Mais ça rentre quand même bien dans la thématique. Et puis, je suis quand même vachement curieuse de le découvrir. Donc, je ne sais pas si j'aurai la patience d'attendre un an de nouveau avant de sortir de ma palle. Donc, voilà. D'ailleurs, ça rentre aussi pour la catégorie sorcellerie, sorcière. Et enfin, pour le dernier menu, on commence avec le destin perdu. Je vous avoue que j'ai rien qui rentre dans cette catégorie, dans ma palle actuellement. Mais dès qu'elle a parlé du concept et du mood de ce menu, et qu'en plus j'ai entendu le nom de cette sous-catégorie, j'ai pensé à un roman que je veux lire depuis des années,
que je n'ai pas encore acheté, mais peut-être que du coup ce sera le moment de craquer. Il s'agit du Monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle. Ce roman me fait trop envie parce que quand j'étais petite, j'ai grandi avec le dessin animé Le Monde perdu qui était vraiment, ça reste un de mes dessins animés préférés de tous les temps. Et depuis, je rêve de lire le roman. Même si quand je lis le résumé du roman, j'ai pas l'impression que c'est la même histoire. Il n'y a pas cette histoire de scientifiques qui sont restés bloqués dans une espèce de cité perdue dans la jungle dans laquelle vivent un peuple d'Inca ou de Maya. Et du coup, ils vivent avec les Mayas, ils s'imprègnent un peu de cette culture et civilisation, et en même temps, il y a quand même des dinosaures et d'autres créatures un peu bizarres. Voilà, c'est clairement l'ambiance Indiana Jones, ce voyage-aventure. Pour les ruines de l'Atlantide, alors là, récit métaphorique, mythe et légende. J'ai clairement Héros de l'Olympe, voilà, que je veux absolument lire, vu que... Percy Jackson, ça c'est la suite de Percy Jackson. Percy Jackson, montre-toi pour te présenter. Bonjour, mais je pense que vous connaissez tous au moins deux noms. Ça c'est la suite, même si on suit pas, si on suit les mêmes personnages ou pas dans cette histoire. Oh, j'adore Piper et Léo. Il y a deux personnages qui ont les noms de mon couple préféré dans Charmed. Voilà, c'était pour l'anecdote nulle de la vidéo. C'est une suite sans être une suite, je crois. On va suivre de nouveaux personnages. Mais en même temps, il y a toujours quand même Percy, Annabeth et machin qui passent par là dans le coin, si je dis pas de bêtises. Pour moi, Percy Jackson, c'est clairement estival au niveau du mood, mais ça me dérange pas de lire ça en automne parce que j'adore ce que fait Ricky Ordian. Ensuite, en avant, pour En avant, Yvette, aventure, archéologie, artefact, voyage. On a toujours Le Monde perdu, si jamais je me l'achète, parce qu'il rentre clairement dans cette catégorie. Et sinon, il y a un manga qui va sortir, qui parle de pierre magique, qui s'appelle Magical Stone, Secret of Magical Stone, je crois. Et il m'a l'air absolument parfait pour cette catégorie et pour ce menu dans l'ensemble. Au niveau des thématiques artefacts, et voyage. Le dernier menu, justement, cabinet de curiosité. Ma toute première idée, c'est d'enfin sortir, enfin non, d'acheter et de lire le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, parce que j'ai jamais lu la suite depuis que j'ai lu le tome 1 il y a 3-4 ans maintenant et que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous rapprocher pour vous la remontrer. Voilà, voilà. Ça ressemble à cela. Allez, je vous laisse ici pour ce soir et puis je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao! Aujourd'hui, j'ai lavé mes cheveux et je sais pas, je trouve qu'ils sont trop jolis au niveau de la forme. Je les ai trouvés assez flawless. Je les ai juste séchés à l'air libre en partant au boulot. Il y a des jours comme ça. Mais c'est fou la différence entre quand je les lave et puis quand ils commencent à regresser, ils sont tout plats, tout moches. Genre, on sait pas où ils sont passés. Puis surtout ceux qui ont les cheveux bouclés ou ondulés, vous-même vous savez, la loterie. Les jours où c'est très beau comme ça sont assez rares. Les autres jours, c'est soit beau d'un côté mais pas de l'autre, soit ça ressemble à rien. J'ai déjà lu finalement le tome 4 de Rip. Je vous avais dit que je le garderais très certainement pour le Pumpkin, mais en fait, bon, il était là sous mes yeux et j'avais envie de le lire parce que vraiment c'est une série addictive et on a envie de savoir la suite à chaque fois, puisque chaque tome rajoute des éléments à l'intrigue principale et change de point de vue, donc c'est super intriguant. Je trouve que c'est vraiment le plus glauque de la série pour l'instant, et je peux vous dire que c'est quand même une série bien glauque dès le début. Et j'ai aussi piqué ça au boulot, alors ça, je me le garde pour le Pumpkin, mais j'ai tellement envie de le lire, regardez. Séance type. Parti, c'est chez les éditions Kinaye, ceux qui ont publié entre autres Le Garçon Sorcière. Et pour le résumé, je vous laisse zioter, mais ça m'a l'air juste vraiment trop mignon. Je vais vous montrer les illustrations parce que c'est tellement une œuvre parfaite pour le menu automne douceur de vivre dans la section Halloween, parce qu'il me semble qu'il y a la fête d'Halloween. De ce que j'ai cru voir, regardez, elles sont déguisées à un moment donné. Bon, en tout cas, ça rentre dans le thème automne, ça c'est sûr. Oh là là, c'est tellement joli. Regardez, je suis trop fan, j'adore.
Je voulais vous faire un petit plan pour vous montrer, on va dire, mon petit plaisir du matin, même si normalement vous l'avez déjà vu dans mes autres vlogs. Mon kiff le matin, moi, c'est de prendre mon petit déjeuner devant les vidéos YouTube des copains ou des gens que je suis. J'ai une autre anecdote nulle à vous raconter. C'est que je possède des lunettes pour, vous savez, la lumière des écrans, une petite lumière bleue. Ce qui est une chose vraiment, vraiment très efficace. Franchement, si vous pouvez vous en acheter, parce que vous passez énormément de temps sur les écrans, mais ça change une vie. Mon père m'en a racheté une paire récemment parce que je lui ai demandé de m'en récupérer une dans un magasin où il avait déjà acheté ma paire d'avant. Des magasins que j'ai pas près de chez moi, donc très gentiment, il m'en a racheté puisque les autres étaient cassés. Merci papa, c'est trop mignon. Sauf qu'il a pris... Je vais plutôt vous montrer, ce sera simple. Il a pris une forme dégueulasse qui ne me va pas du tout. Et encore, je trouve que ça rend mieux sur les caméras, trop bizarre. Mais vraiment, cette forme de lunette ne me va pas du tout. J'ai l'impression d'être, vous savez, dans les mangas, il y a souvent un personnage qui est décrit un peu comme l'intello relou avec les lunettes en forme de bouteille, là. J'ai l'impression d'être ce personnage de manga. Celle que j'avais avant était beaucoup plus carrée et épaisse et elle m'allait beaucoup mieux. Mais alors cette forme-là, vraiment, c'est pas possible. Voilà, c'était pour l'anecdote pourrie, je trouvais ça assez drôle. Que je veux lire aussi depuis longtemps et que j'ai enfin trouvé d'occasion cette année. Il s'agit de La Voix des Ombres de Frances Harding. Et là, qui bouge. Je suis nulle. Je suis désolée, c'est pas ce que je me sens vraiment nulle. Le recommandeur, c'est ça va, s'il vous plaît. Et là, je commence à me dire que c'est pas hyper économique, mais en plus, c'est pas écologique. J'ai vraiment envie de faire tout ce que je peux. Ah là là, du coup je vais aller me doucher quand même parce que j'ai un petit peu envie. Et puis j'ai très envie de me poser devant les Toy Story. C'est une impulsion qui m'est montée soudainement. Hey, on est le 1er septembre aujourd'hui, ce qui lance officiellement le Pumpkin Autumn Challenge 2021. Donc je pense qu'en allant sur Paris aujourd'hui, je vais m'emmener un petit truc de ma palle, potentiellement un roman, parce que si vraiment je veux lire des romans pendant ces 3 mois, il faut vraiment que je me lance. J'ai très envie de lire Anne de Redmond, mais je vais attendre ma Wapi et ma Clo pour qu'on le commence en lecture commune, donc je vais être patiente. Aujourd'hui c'est mon jour de repos, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour au Renard Doré, parce que j'ai un truc à récupérer là-bas. Peut-être aussi passer à Book Off, qui est une grande librairie où il y a plein de choses d'occasion, DVD, manga, livres, livres écrits en étranger, etc. En étranger, ça veut... Est-ce que ça se dit ? Ensuite je vais rentrer, puis je vais passer un après-midi, je pense, avec Coaline. Donc là, le programme, c'est que j'ai envie de me faire un petit make-up pour sortir. Voilà, je suis plutôt motivée. Et puis, let's go. Essayer un truc, mais alors je garantis pas du tout le résultat. Pour l'instant, on dirait qu'on m'a fait caca sur la paupière, tout va bien.
Je vous ai pas montré ce que ça donnait, du coup je sais pas si vous verrez grand chose. J'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, surtout que comme vous le savez je m'équipais souvent, j'ai un peu bavé là, mais bon, écoutez, moi j'aime bien. A priori il y a du soleil et j'espère qu'avec cette tenue je ne vais pas mourir de chaud. Je vous ferai un petit haul peut-être de ce que je vais ramener, mais depuis 3 mois on va dire que niveau finance c'est pas trop ça, donc je vais certainement pas ramener grand chose. Je verrai bien. Allez, bisous. Voilà revenu de mon escapade. Alors je me suis changée parce que il fait chaud encore mine de rien, et comme j'avais un haut à manches longues et bien fermé, je suis plutôt contente puisque aujourd'hui j'ai dépensé sans dépenser, et comme j'avais pas d'argent à dépenser, c'est top. Je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté, et je vais le faire dans le sens inverse. On va commencer avec le renard doré, puisque mon gros achat non achat du jour c'était le Loungefly Hercule. Voilà, ça fait 2 mois qu'il m'attend à la boutique. Donc je suis très heureuse de l'avoir enfin. Les petits détails, voilà. Il est très très beau, je l'adore. Il est un peu doux en plus, je sais pas trop c'est quelle matière, on dirait de la suédine un peu. Ensuite, j'ai ramené aussi du renard doré, le 4e et dernier tome de Lady Georgie, qui est vraiment, vraiment magnifique. De l'autre côté, je suis contente de tous les avoir. J'ai ramené le petit guide des animations de septembre du renard doré. Du coup, je vais un petit peu jeter un œil vite fait. Ils font vraiment des trucs trop sympas. Les carnets de l'apothicaire, création d'une pique à cheveux. Oh, c'est trop cool! Un atelier de Kiki la petite sorcière, création d'un théâtre de papier. C'est trop chou. Ah, il y a Cordélia qui vient dédicacer l'éveil de la sorcière et tant qu'il le faudra pour les intéresser. C'est le 25 septembre 2021 à partir de 15h au Renard Doré. Murder Party Full Metal Alchemist animé par Curiculture. Ouh. Si jamais vous voulez voir, voilà, un aperçu, je vous laisse mettre pause et puis lire. J'ai aussi acheté une petite figurine My Hero Academia, c'était les figurines surprises. Et je vous l'ai dit dans ce vlog, hein, je crois que j'avais commencé l'animé et que j'étais trop fan. Donc voilà, la folie m'a prise et je suis contente. Parce que j'ai eu un de mes petits personnages chouchou, mais en même temps, à part Bakugo, je les aime tous. J'ai eu Deku. Petit zoom. Regardez comme il est chou. Franchement, elles sont bien faites les figurines. Alors elles sont toutes petites par contre. Hein. 11 euros le truc qui fait la taille de mon doigt, c'est...
C'est le Japon, c'est le Japon. Mais elle est vraiment trop jolie. Mon dernier achat, c'est à Boukoff. J'y suis allée pour revendre mes fairy tales. J'avais à peu près 22 volumes. Et du coup, j'en ai profité pour, avec l'argent récupéré sur la vente de mes tomes, je me suis pris un intégral d'une série de Clamp. Les Clamp à qui vous devez Cardcaptor Sakura, Magic Knight, Cryer, Chopitz et tant d'autres séries cultes. Je me suis pris Trèfle. C'est une série en 4 tomes qui n'est plus disponible en 9 depuis quelques années maintenant. Je l'avais loupé à l'époque, j'avais peut-être lu le tome 1 en médiathèque, mais je ne m'en rappelle quasiment pas. Et ça m'a toujours intriguée. Un shoujo de Clamp en 4 tomes, franchement, je crache pas dessus, quoi. Puis niveau graphique, bon, c'est les dessins des Clamp, j'ai envie de vous dire. Je crois pas qu'il y ait de page couleur. C'est l'ancienne édition de Manga Player. Je crois que ça existe même plus comme édition. Si tu trouves un trèfle à 4 feuilles, il te portera bonheur. Mais ne dis à personne où ces blanches fleurs s'épanouissent. Ni combien de feuilles portait sa tige. Le trèfle à 4 feuilles, je ne veux que ton bonheur. Sachant que je ne serai jamais tienne pour le partager. Résumé un peu mystérieux et poétique en même temps. J'adore le chara-design. Au programme, du coup, en attendant ce soir, je vais manger une glace devant My Hero Academia. Voilà, je vais me faire quelques petits épisodes. Et puis, je pense que je vais pas tarder à arrêter ce vlog parce que, comme je parle du Pumpkin Autumn Challenge dedans, ce serait un peu dommage que je poste ce vlog dans un mois, quoi. D'ailleurs, ma palle, pour les intéressés, je l'ai faite sur Libre Addict aussi, donc je vous mettrai mon compte, il est déjà en barre d'infos même. Vous pouvez aller voir dans les listes. J'ai créé une liste Pumpkin Autumn Challenge 2021. J'ai mis pour chaque menu les livres que je comptais lire en priorité, et puis je pense que j'en ajouterai au fur et à mesure. Et quand je les aurai lus, je mettrai mon avis en quelques phrases sur cette même liste. Voilà, voilà. Du coup, si je vous reprends pas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, comme dans mes vidéos, quoi, comme d'hab. Et puis, je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour les prochaines aventures de June Wonderland. J'espère que vous serez là et qu'on pourra discuter ensemble, ce qui me fait toujours extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Allez, ciao!